Monsieur, vous voulez aussi donner votre ressenti sur le sujet du jour ? Le manque ? Le manque ? Bah, je pense que tout le monde l'a, non ? Enfin, je veux dire, je pense qu'on est tous là pour ça. Oui, mais qu'est-ce que vous vous ressentez quand je vous le dis ? C'est plus compliqué que ça en a l'air, je pense. Eh ben, expliquez-nous. Je ressens... de l'appartenance. De l'appartenance ? C'est sur ce sentiment que quelque chose t'attend. Ou que t'as elle t'attend. Toi, tu veux pas aller la voir. T'as beau tout faire. Manger, dormir, sortir. Bah, elle sera toujours là. Elle t'attend. Et vous ressentez quoi quand je vous parle d'appartenance ? De l'angoisse, de l'oppression. C'est involontaire. Je veux dire, je voudrais que tout ça s'arrête, mais ça m'angoisse. Cette sensation de brûlure que j'ai dans le corps qui grandit à chaque fois que je repense à elle, ou qu'on me fait penser à elle. Je suis plus du tout productif et chaque minute devient de plus en plus longue parce que ça m'oppresse. Ça me crame de l'intérieur. Alors, j'essaie de me concentrer sur autre chose, mais ça dure jamais longtemps. Je lutte parce que je suis promis de plus allumer cette merde que j'envoie. C'est vrai quoi, je pourrais tout faire sans ça. J'imagine ne plus être seul, ne plus être stressé. Alors vu que je suis seul dans ce combat, je m'ordonne de plus céder à cette brûlure parce que c'est trop facile. Je veux plus que les gens me prennent pour quelqu'un qui n'attend qu'une chose, c'est que cette étincelle, elle revienne encore, encore et encore. Et finalement, j'ai peur de ça. On a tous peur de ça, d'ailleurs, qu'on soit dépendant ou non. De nous retrouver seuls et de brûler tous manettes, cette douleur constante. Mais c'est là, c'est à ce moment-là, quand tout va mal physiquement, mentalement, quand il reste plus qu'une chose, qui revienne pour combler tout ce mal-être, cette oppression, cette solitude. Une étincelle. Et tout recommence.